Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce jeudi, jour de paie pour ceux qui travaillent, <laughs> heureux de vous retrouver, c'est le jeudi 25 février 2021, 8h19 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, on va revenir, je vais revenir sur l'incident euh, de l'American Airlines, euh, il y a quelques jours à peine. Hein? J'ai été probablement un des premiers à vous publier ça hier. Dès que la nouvelle est tombée, j'ai eu le lien. Bang! Et c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes abonné, parce que vous avez beaucoup de primaires rapidement. Et euh, j'essaie toujours de faire le plus rapidement possible pour que vous ayez les nouvelles avant tout le monde. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Donc euh, c'est confirmé, on a confirmé hein, du côté d'American Airlines que les pilotes avaient, euh, de ce vol-là, avaient euh, expérimenté. Euh, Quelque chose de vraiment étrange. Ce qu'ils ont décrit okay. comme ils ont, ils ont pensé à un missile cruise, mais c'est loin d'être confirmé par euh, euh, l'armée américaine, d'un objet cylindrique qui leur est passé au-dessus de la tête à une vitesse très, 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 très rapide. J'ai un extrait sonore ici de leur conversation euh, que je vous laisserai dans la boîte euh, de description. On était au-dessus de, du Nouveau-Mexique. Désolé de vous dire, ça a l'air vraiment d'un long. Objet cylindrique, un missile cruise, mais c'est à peu près là. parce que tu penses à des, à des possibilités hein, quand tu es dans ces situations-là et ce qui te vient en tête, c'est ça. Mais si on retourne dans le temps, on peut remarquer qu'il y a une constance dans beaucoup beaucoup d'observations devenues très euh, crédibles. Le Pentagone l'an dernier, hein, mais déjà il y a deux trois ans, j'avais publié ces vidéos-là qui étaient déjà disponibles de leurs pilotes qui avaient expérimenté des événements comme ceux-là aussi des rencontres puis on décrivait souvent ces objets-là comme cylindriques ben euh, il y a 15 ans devenu cylindrique dans l'état de New York donc ça fait c'est partout partout des objets euh, en forme de cigare avec des sphères qui l'entourent euh, on est au Canada aussi on a beaucoup de ces euh, descriptions d'objets là hein? euh, en forme de cylindre quand vous allez sur google je vous laisserai celui de celui là qui est ben y en a deux qui sont intéressants le, du daily star en forme de cigare euh, je vous le laisserai dans la boîte de description aussi hein, un énorme objet en forme de cigare euh, au dessus de baltimore et ça c'est vraiment constant dans beaucoup des Observations, des témoignages très crédibles et dont ceux de, du Pentagone et de leurs pilotes de l'armée de l'air, 15 ans devenus cylindriques dans l'état de New York. Hein? Là aussi, on en parle énormément. Donc, si je reviens à cet article euh, de, je pense que je l'ai ici. Oui, donc le mystère revient. hein? Rencontre rapprochée s'approfondit alors que l'American Airlines ne nie pas le repérage et euh, nous dit qu'elle a parlé déjà au FBI. American Airlines n'a pas exclu qu'un de ses jets ait rencontré un ovni apparent au-dessus du Nouveau-Mexique le week-end dernier. La compagnie aérienne de passagers a vérifié aujourd'hui une transmission radio du vol 2292 qu'on vient d'entendre à Phoenix vers 13h dimanche qui a entendu un pilote affirmer que l'objet non identifié volait juste au-dessus d'eux. Donc je ne pense pas qu'il y ait un missile qui volait au-dessus d'eux. L'étrange rencontre qui s'est produite au-dessus du coin éloigné du nord-est du Nouveau-Mexique, à l'ouest des Moines impliquait le vol AA-22-92. Steve Douglas, est un intercepteur radio et blogueur expérimenté nommé The Black Horizon, affirme avoir entendu l'étrange transmission lors de l'enregistrement à partir de son arsenal de scanners. Avez-vous des objectifs ici? Si nous venons de faire passer quelque chose au-dessus. Nous voyons, nous, on vient de faire passer quelque chose au-dessus de nous, a déclaré le pilote dans la transmission radio selon Fox News. Je déteste dire ça, mais ça ressemblait à un long objet. Cylindrique qui ressemblait presque à un type de missile de croisière se déplaçant très vite. Il est allé juste au-dessus de nous, s'adressant à Fox dans un communiqué. American Airlines a vérifié que la transmission provenait du vol 2292, mais a déclaré que la chaîne devrait contacter le FBI pour plus d'informations. Le US Sun a également contacté le FBI pour de plus amples commentaires. Après un debriefing avec notre équipage de conduite et des informations supplémentaires reçues, nous pouvons confirmer que cette transmission radio provenait du vol 2292. 92 d'American Airlines, le 21 février, a déclaré un porte-parole d'American Airlines à Fox dans un communiqué. Donc, le mystérieux incident qui s'est produit hier à 36 000 pieds lors d'un vol euh, entre Cincinnati et Phoenix, l'étrange rencontre qui s'est produite dans une région éloignée à l'ouest des Moines, impliquait le vol AA22-92, un Airbus A302. À rapporter de Drive, ça c'est l'article initial dont je vous ai parlé hier, dès que j'ai eu le lien, l'avion voyageait apparemment à 406 000 euh, à l'heure et le Nouveau-Mexique abrite le White Sand Missile Range qui est situé dans la partie sud de l'État et est décrit comme le plus grand champ de tir en plein air entièrement équipé du ministère de la Défense. Scott euh, Stearns euh, de White Sand Missile Range a déclaré qu'aucun test n'avait eu lieu dimanche et a souligné qu'il y avait une distance d'environ 400 000 entre la portée du missile et le nord-est du Nouveau-Mexique. Il a déclaré à Fox News, nous n'avons aucune idée de ce que cela aurait pu être ou si quelque chose de similaire a déjà été aperçu dans cette région. Cela vient euh, après une série d'incidents étranges impliquant des objets ressemblant à des ovnis volant en proximité de jets de passagers. En 2018, des images bizarres ont montré un objet en forme de soucoupe accélérant après, euh, et dépassant un avion à réaction à Lincoln, dans le New Hampshire. En 2019, une mystérieuse soucoupe volante blanche a été filmée au-dessus de la zone 51, euh, près d'un nouveau hangar d'avions. Donc, voyez-vous, chers amis, beaucoup de liens dans cet article-là que vous pourrez aller euh, voir et visiter. On se rapproche non seulement de, de révélations, mais on se rapproche de maintenant de conclusions qui devraient être nous, nous être apportées d'ici une centaine de jours par le sénat américain lui-même parce qu'on a demandé ça un rapport sur tout ce que le pentagone le fbi savent con, euh, concernant toutes ces observations ces témoignages renversants je vous reviens